Ça, c'est super.
sensible comparé à avant. Je laisse régler justement pour avoir un maximum de frissons. C'est ça que je faisais en fait. J'essayais de faire des tests de son avec le casque pour essayer de voir qu'est-ce que ça pouvait déclencher. Assez haut pour justement capter le moindre petit truc. Après, c'est sûr qu'il faut faire vachement attention parce que si tu parles trop fort, et puis les bruits environnants, là on a du bol pour l'instant, j'entends aucun bruit, c'est bien. Alors, j'y ai fait plein de tests comme ça, j'ai essayé avec les mains. J'ai fait avec des objets quelques trucs. Et je trouve que les micros réglés comme ça, de cette façon, je trouve que c'est. Que ça déclenche pas mal le truc, surtout les frissons. C'est ça, c'est désagréable, il faut pas que je m'approche avec le casque, ça fait des antiparasites, faut pas que je m'approche trop près des micros avec ma tête. C'est un pinceau, c'est ça? Pinceau, maquillage, je crois. Quoique, on s'en sert aussi dans la coiffure. J'ai déjà vu les coiffeurs, ce truc-là, pour quand ils t'enlèvent les poils, c'est les cheveux, les petits cheveux dans le cou. Mais bon, c'est vrai que ça c'est plus pour le maquillage, celui-là. J'effleure à peine, parce que sinon le bruit sera beaucoup trop fort. Ça faisait un bail, j'avais pas fait ces trucs-là. J'avais fait avec d'autres pinceaux, je sais pas si tu te rappelles. Dans d'autres vidéos, ils sont assez vieilles, hein, assez anciennes, ça fait un sacré bail, j'ai pas fait ça. D'ailleurs, je sais plus pourquoi, j'ai pas fait. Je crois que c'était à cause. Thank you.
Ça fout un peu les glandes.
Ça détend énormément, moi, je trouve. Moi, je fais attention. J'entends que ça a failli commencer, les parasites. Faut que j'évite d'approcher le casque. Bah voilà, hein. Moi qui pensais que j'aurais pas, qu'on n'aurait pas comment de sujet de conversation, eh bien, on en a eu. Hein. Bah, j'espère, moi, que t'as apprécié cette petite vidéo. Complètement improvisé, pas prévu du tout. C'est vrai que c'est difficile d'avoir des idées, parce que plus tu fais de vidéos, tu fais énormément de vidéos, au bout d'un moment, il faut que ça soit varié pour éviter que toi, tu te lasses ou que ça soit répétitif. Au bout d'un moment, des fois, on n'a plus d'idées. Après, tu me diras, je pourrais aller regarder ce que font les autres artistes ASMR pour m'inspirer. Mais non, je suis pas dans ce truc-là. Je regarde pas ce que font les autres. Je suis certain, mais je ne vais pas reprendre ce qu'ils font, sauf si j'avais déjà fait avant. Sauf si je l'avais fait avant ou que j'avais eu l'idée de faire ça et que je vois qu'un autre artiste ASMR bah, le fait. Là oui, mais je vais pas aller copier. Là je vois qu'il y a beaucoup d'artistes ASMR, certains qui copient sur les autres, mais c'est souvent pas les petits. Ce sont souvent les gros artistes ASMR, ceux qui ont un bloc d'abonnés et un bloc de vues. Ils copient sur les petits artistes ASMR, ils leur prennent leur truc. Ça, j'ai déjà remarqué. Observe, jette un œil sur YouTube et regarde, et tu verras ce que je te dis que c'est vrai. Moi, j'ai remarqué, mais je sais pas si t'es le nom. Pas de polémique. On va pas foutre la merde. Mais moi, j'ai déjà remarqué qu'ils copiaient sur les tout petits artistes ASMR pour faire leurs vidéos. Moi, je trouve ça un peu. Normalement, ils sont censés être trouvés par eux-mêmes. On copie pas. On a tous notre. Je trouve pas le mot pour dire. Bref, ça doit venir de nous, quoi. Bref, on s'en fout. Bon, bah, cette petite vidéo, elle est terminée. Eh ben, on aura quand même fait plus de 20 minutes. J'espère que tu as passé un agréable moment en ma compagnie. J'espère que tu as bien aimé hein, cette petite vidéo improvisation comme ça, sur le vif. Voilà, le principal, c'est que ça t'est détendu, relaxé. Moi, j'espère en tout cas. Écoute, moi, je te dis bah, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, ciao, bye.